Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur le bout du monde, fort fort lointain, on est avec le Patou. Salut mon Patou. Et bonjour Julien, bonjour à tous. On est donc, je vous l'ai dit, sur le bout du monde V2, et je suis sur, dans, d'ailleurs, même plus que sur, le oui. Tracteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bougez pas, je suis coincé. Pourquoi je... Pourquoi? Ah oui, j'ai lissé, c'est bon. Je suis dans le... Alors, dans un fent, vous me direz, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Mais bon, un très très beau fent by Arsenic Mining. Donc, il y a eu déjà quelques présentations faites sur différentes chaînes. Voilà, on a l'avantage et l'honneur avec Patou de l'avoir également. Donc, fent série 7, je pense que tu as le plus que le 24, hein, tu as 724. C'est ça, 716. Voilà, on repasse par l'intérieur, un bel IC bien complet. Je vous montre tout ça, c'est parti. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir les portes. Vous avez la possibilité de régler les rétros, vous avez la possibilité de rentrer les rétros, voilà. Pas tout, si j'en oublie, tu me dis. Vous avez la possibilité d'ouvrir le capot, hop, on va faire comme ça. Regardez, beau moteur modélisé, le ventilateur qui tourne, etc. Tout va bien, jusqu'ici le moteur fonctionne. On referme, vous avez la possibilité ici d'allumer les lumières à l'intérieur. Vous avez ici les possibilités d'allumer et d'éteindre cette petite console. La possibilité d'allumer, pareil, en appuyant sur les petites touches là, j'espère qu'on verra mon curseur de souris, sinon je vais avoir l'air d'un con, comme d'habitude, d'allumer les lumières extérieures, regardez, hop, on allume, on éteint, le petit clignotant, c'est une petite lumière ça, on va dire ça comme magnifique, ça. Magnifique. Vous avez la possibilité d'éteindre ici, ça éteint aussi, vous avez la possibilité d'éteindre encore ici, ça éteint partout, ça éteint toujours, là, vous changez le menu, donc là, finalement, vous vous retrouvez avec le menu des feux, vous avez un menu feu, finalement, c'est aussi bien. Vous avez ici tour minute, consommation instantanée, je pense que c'est l'heure, 14h31, oui, la rotation du moteur par minute, les RPM. Ici, vous avez encore du matos, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est pour faire apparaître cette console-là. Cette console-là vous fait apparaître ici, sur cette petite touche-là, le warning sign. Vous avez, je pense que ça, devant, c'est le... Le relevage avant. Le relevage avant, voilà, je cherchais mes mots. Vous avez, je pense, si on tourne encore la tête ici, la possibilité d'ouvrir et de fermer la visière ou la lunette arrière. Ça, ça allume et ça éteint. Et enfin, regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, magique, hop, vous appuyez, vous avez les caméras. Caméra dans la remorque numéro 1, caméra numéro 2 à l'avant sur le nez du tracteur, caméra numéro 3 sur le relevage arrière, caméra numéro 4 au-dessus de la cabine, je pense, on dirait. Oui. Caméra numéro 5, vue de drone, elle est un petit peu décalée en hauteur, on voit bien, pour reculer, c'est peut-être pas si mal que ça. Ah ouais, il est fantastique, je vous jure. Donc j'ai envie de dire, GG Arsenic Modding. Bravo, bravo, et merci bravo. À toi. Bon, on se met au boulot finalement, parce qu'on est... Allez, ah, colo, j'ai oublié, on a aussi la possibilité d'ouvrir le tour-vent, je pense, là-haut. Voilà, ça ouvre, oui, c'est ça, tout à fait. Ça ouvre et ça ferme le tour-vent, mais c'est vrai qu'avec le traquière, j'ai la tête qui est en train de se prendre des coups de moins bien. Allez, hop, on se met en vue extérieure. On enlève lycée, on règle la caméra et c'est parti mon Patou. Allez, let's go. Donc deux gyrophares fonctionnels, bien évidemment, vous avez le relevage avant, on l'a dit. Je vais mettre de côté. Ah, pardon, monsieur. Ah, l'autre côté. Alors, il trouve pas? Elle me détecte pas? Non. Wouhou. Coucou. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait? Attends, hop, je la ressors. Sors ta buse, Patou, sors ta buse. Tu veux pas? Non. Allons-y voir. Oh. Alors attends, je vais essayer de me foutre quand même au cul des fois que. Cette benne, tu sais que chaque fois on est emmerdé. Elle en veut pas. Non. Il s'est dit, j'en veux pas. Ah mais merde. Comment on coupe cette putain de radio là? Tout à l'heure, j'ai de la radio, je parle. 5. Ça me met la radio, le 5. Oh, c'est pas fort, on verra bien. Allez, on s'en fout. Donc là, on est niqué. La benne ne fonctionne pas. Donc, c'est bien. Bon, elle prend pas le trèfle. Elle va pas prendre la luzerne. C'est peut-être la luzerne, dit ouais, c'est peut-être la benne qui prend pas la luzerne, ou je sais pas quoi. Attends, écoute, touche pas, hein, on va faire une marche arrière. Coincé dans le poteau, forcément. Allez, tout va bien, tout va bien. Hop, ah ben, saute dans ton John Deere, il y a la benne
Roland, on va voir si elle les prend. Ouais, on saute, on sort dans la culture, mais on s'en fout. Allez, bah, allez, allez, rien à foutre. C'est du RP, il y a des sapes, putain, je saute. Il y a que des fentes dans cette ferme, c'est pas possible. Ah, il est là, non, par contre, c'est pas celui-là. Tu me dis, ah, voilà, il est là. Eh, c'est bon, ça, c'est du tracteur, bordel. Il y a Ben est attelé, yes, c'est parti. Donc c'est sorti de la ferme par là, mon ami Patou. Ouais, hein. Ouais, tu sais que... Si mes souvenirs sont pas trop mauvais, toc, laisse passer, poussez-vous, laissez un coup de klaxon. Laisse un coup de klaxon. C'est bon, tout va bien, on y arrive. Alors, bah oui. Du coup, tu auras vidé parce que je mets pas le cul dans ton truc, moi. Au pont, c'était à droite ou à gauche, c'est tout? À droite. À droite. Hein. À droite. On est allé tellement rapidement. Comme là. Quand on allait faire le trèfle, tu sais. Voilà. C'est tout de suite sur la droite. Je vois le patou, le patou. Voilà. Bon. Alors vidéo, bordel. Ah, tu me vois, Julien. Tu t'en vas, Julien. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça arrive? Ça y est, je prends la vue, je suis. Ça y est, lui aussi fait la cibi. Ça y est, je fais la cibi, je sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas. Ça a l'air de marcher là. Il a l'air de m'avoir vu. Vas-y, roule voir que je me... Attends, si je l'activais, ça irait mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça peut être sympa. Olé. Attends, je glisse. Ah, c'est le bordel. Non, mais... aujourd'hui, voilà, comme je disais à Patou, je suis légèrement en retard parce que je me suis tapé 3 quarts d'heure de déneigement encore une fois. Ça marche. C'est la benne, en fait, qui le prend pas, la croix. Ouais, avec Roland, tout est bon. Allez, vas-y. Salut Maurice, avec Roland, tout est bon. Ouais, c'est parti, on va y arriver, enfin. Donc on a dû malheureusement, enfin Patou a dû pas mal bosser puisqu'il y a eu une mise à jour de la map, par contre ça va être chaud là. Il y a eu une mise à jour de la map et malheureusement les sauvegardes qu'on avait ne fonctionnaient pas. Ça ne fonctionnait pas, donc j'avais fait ce qu'il nous avait dit mais ça me plaisait pas parce que les portes s'ouvraient plus. Voilà. Donc, bon. Du coup mais j'ai recommencé carrément une l'un dans l'autre, moi. L'un dans l'autre, vu qu'on avait fait de la merde avec le trèfle, ça nous a permis en tout cas, ça a permis à Patou, puisque je n'ai pas participé au chantier, de le presser en balle ronde et de tout simplement pouvoir l'enrobaner, voilà, pour le faire fermenter. Donc moindre mal, ça a occupé Patou, il se faisait chier de toute façon. Donc, résultat des courses, voilà, il a tout rangé, c'est tout beau, c'est tout bien, je vous montrerai, on vous montrera en tout cas avant la fin de la vidéo comment c'est. Donc voilà, on a terminé les chantiers qu'on avait attaqués, là on est au trèfle, à la luzerne. Voilà, à la luzerne. On est à la luzerne. On va venir après pour faire Oh putain. Oh là là, où tu vas? Oh putain, ça y est, il est quoi? Oh putain, je me suis tanké. Est-ce que tu y crois, en vrai? Attends, bouge pas. Il a de la patate, mais... Passé. Ah putain, c'est pas possible que des merdes comme ça. Bouge pas. Ouais, par contre je suis pas sûr. Si, regarde. Ça a l'air de vouloir, presque. J'ai le poteau là, oh putain. J'ai le poteau, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Fermez les yeux les gens, c'est pas du RP. Yes, bien Patou. J'allais dire, c'est bien, tu m'as décoincé l'avant, mais tu m'as coincé le cul, là, par contre. C'est speed tir, mais là, j'ai farmé. C'est exactement ça. Alors, prochainement, vous aurez... faudra que je te donne le lien de la map, parce que malheureusement, on peut pas faire des maps modées sur speed tir Mud Runner pour l'instant. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a une soi-disant une manipulation à faire, mais c'est pareil, j'ai pas bien envie de me lancer dans le truc, parce que ça m'a l'air un peu chelou, un peu compliqué. D'accord. Donc j'ai tourné une petite vidéo pour tester la map en fait avec un 4x4, je t'enverrai le lien mon patou. Ouais, d'accord. Elle est géniale, petite dédicace à toi bien évidemment dans cette vidéo là, dispo très prochainement sur la chaîne. Pas de soucis. Qu'est-ce que j'ai tourné également de mon côté, je sais même plus ce que j'ai tourné d'ailleurs. qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo aussi? J'ai refait du MX au GP3, on continue, on sera à Charlotte. On sera à Charlotte et ça se passe pas bien à Charlotte, malheureusement. Voilà. Petit teasing. Et j'ai tourné autre chose, mais merde, je sais même plus quoi d'ailleurs. Je sais même plus quoi. Voilà, ça ira mieux là. Surprise. Là, ça doit être pas mal. Là, on devrait être bien. Combien je suis? 25%, c'est bon, un tour 25%. On devrait être pas trop mal. Oui. Ça va le faire. Ça, après, on va faire des granulés de luzerne. Donc après, pour amener faire les mélanges. Voilà. Ça sera l'occasion de la prochaine, enfin l'activité de la prochaine vidéo. Donc luzerne, trèfle, putain, on fait des choses. Voilà, on utilise les fonctionnalités de cette nouvelle map. Peu commune, on n'est pas en train de moissonner du blé, de l'orge ou de se faire un vulgaire ensilage. Même si on doit le faire, de toute façon, ça y a pas de souci. Heureusement qu'il y a de la patate, regardez ça, parce que mine de rien, on n'a pas l'impression là, mais encore une fois, ça monte.
Allez, ouais, ça grimpe, les chats sont vachement importants. On va tendu un terre, on va essayer de vous montrer les caméras. Alors, comment on avait fait? On fait comme ça. Je crois que c'était celui-là. Ah, mais là, je suis con, je montrais les caméras. T'es pas dans le fait, colon. Je suis plus dans le bon tracteur, connard. Bah, brave. Cherche pas les caméras. Putain, mais quel cave, je te jure, celui-là. Mais c'est pas possible. Ah, j'ai le cerveau complètement. Je l'ai laissé dans la neige devant la maison, là. Ah, mon Dieu. Alors, ah, laisse tomber, là. C'est... Enfin, je sèche, là, doucement. Je sèche doucement. Je sèche doucement. Allez, on y va. Donc, n'hésitez pas à aller faire également un tour, puisque l'ami Saphir va entamer très prochainement une série, La Ferme d'Antan, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, ça a l'air intéressant. Il a fait une petite vidéo présentation de son projet. Donc, pour l'instant, c'est la petite mise en bouche, des présentations de la map, du projet, du matériel qu'il va utiliser. Et donc, très prochainement, vous aurez l'épisode numéro 1. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, Saphir & Co. La chaîne, j'ai partagé sur ma page Facebook. Le lien de la vidéo, pour ceux qui ne vont pas sur Facebook. Facebook, hein. Vous allez voir Saphir & Co. sur YouTube et vous trouverez tout simplement sa chaîne. Allez, oh putain, regarde ça, c'est collé serré, nickel. 50%, tu vois. Jolie texture, hein, c'est dans la veine. Ouais, bien, hein. Par contre, ça remplit un peu chelou, ça remplit tout au cul. Ouais, ouais, c'est les veines Roland qui font ça. Hein. Et après, c'est vrai qu'elles se remplissent tout doucement devant, mais bon, trois essieux, il devrait y avoir de... Combien on avait mis 50 000 la dernière fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puisqu'on est à 50%. Allez, enlève luzerne, connard, là. 25 000, c'est ça. Enlève luzerne. Par contre, t'es mis où alors? Tu m'as dit, pas tout. Bah, tu prendras le fed et puis tu montres. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a, si tu veux, il a modifié une machine à compost. D'accord. Pour faire justement, tu amènes la luzerne et ça fait des granulés de luzerne. Ça fait du granule. Ça fait c'est une bonne idée. Ouais, bah oui, écoute, encore une fois, ces mappeurs, ces modeurs ont de bonnes idées, ils utilisent, ouais, ils détournent un petit peu farming, les modes. C'est ça qui est intéressant quand tu transformes des modes existants. Déjà, il faut avoir l'idée, d'une part. Oui, 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 oui. Deux, il faut savoir où connaître. Les capacités de le faire. Il faut savoir où connaître, où trouver les scripts, hein, parce que bon, moi, je sais que c'est des scripts, après le reste. Ouais, ouais, voilà. C'est ça. Mais tu t'étends pas partout le sujet. Voilà, là. Moi j'utilise encore, j'utilise pas tout. Il y a des choses encore que je n'avais jamais faites jusqu'à la dernière fois. On n'avait jamais ensilé du peuplier. Vous voyez, ça fait bientôt un an que le jeu est sorti, ou ça fait un an d'ailleurs que le jeu est sorti. C'est l'intérêt de faire des choses peu connues, quoi, en fait. Hein. Exactement, voilà. Donc toujours. Ça, j'en ai jamais vu, tu vois, par exemple, la luzerne là. Faire ces granules là de luzerne. Ouais, 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 ouais. Bah écoute, vidéo, maintenant ça va devenir commun, tu verras, et puis on va retrouver ça prochainement dans beaucoup de maps. Oui, comme les pelés, on va les voir bientôt. Exactement, exactement. Allez, hop, on est à quoi alors? 75 là, normalement, si tout est bon. Enlève luzerne, 68. Ah, tu vois, oui. Le tour du champ est un peu moins long. C'est pas beau ça, regarde ça. Belle texture, franchement. Ah, non, c'est bien, c'est joli. C'est joli, ça tourne bien, 60 FPS là, impeccable. Elle est fluide, ouais. Fluide, un map fluide, à contrario effectivement de la ferme limousine où c'était une très belle map mais très chargée. Mais malheureusement trop chargée. Très chargée et parfois même avec des ordinateurs quand même relativement puissants, je pense qu'on a des engins quand même qui fonctionnent bien. On arrivait à tomber sur du 40, 35, parfois même 30 à certains endroits. Putain, c'était pas faute d'avoir du matos qui pédale quoi. Bah normalement ouais, avec I7 1070 ça commence à être quand même, mais bon, c'est comme ça. Il y a mieux, bien évidemment. Hein. Oui. Après, tu as du 1080 en slide, c'est sûr que. Mais bon. Ça ne rapporte rien de plus, hein, franchement. Je pense pas. Non, je pense pas. Non, même avec une carte de toute façon moins puissante, je pense que ça tendrait aussi bien. Oui. Mais là, sur le portable, j'ai du 1050. Donc, tu sais, ça suffit. Ouais, hein. Ça suffit, ça tourne. Il n'y a pas de sushi. Sans sushi. Il n'y a pas de sushi. Allez, tranquillement, on avance. Oh, laisse aller, Simone. Ça descend. Et sur cette carte, les bâtiments, j'adore. C'est ce que j'ai mis sur ma map. C'est le créateur de cette affaire carte aussi là. D'accord. Tu sais, les bâtiments que tu aimes bien sur ma carte. Ah, moi j'aime bien, ouais. C'est les bâtiments sur ta carte. Et bien, c'est lui qui les a créés. Donc, elle sort demain, la map Papatou, bien évidemment. Ou pas. Elle sort demain, hein, donc soyez prêts, la main sur la souris pour kicker. Hein. Non, on déconne. Non, on déconne, bien évidemment. Elle est finie, il faut que je l'optimise maintenant. Voilà. Après, toutes les erreurs sont réglées. Heureusement, je remercie Saphir justement et sa team. Et puis mon ami Pascal Levalaisan qui me teste ça à multi. Donc ils m'ont fait remonter des erreurs, des petits trucs voilà, que j'ai dû rectifier. Mais il n'y a pas de souci. Maintenant, tout est réglé. Il n'y a plus qu'à l'optimiser pour que. Elle soit un peu plus légère, on va dire, parce qu'elle a fait un giga 2 pour l'instant. Un bon travail d'équipe, et c'est ça qui est sympathique. Voilà, c'est j'ai même rajouté des trucs dessus, des fonctionnalités, bien. Mais bon, j'arrête, parce qu'après, je vais faire comme Damien, j'en vais pas arrêter de rajouter des choses sur la carte. Quoi. Après, on se retrouve, il en chie, là, à remonter. Heureusement que j'ai 750 chevaux, parce que
Il est passé chez Mendes, celui-là, vous le savez très bien. Un petit peu. Allez, regardez ça, la petite roue noire qui fait plaisir. Comment on est là? On devrait pas être pas mal, là. On devrait être pas mal, je veux dire 90. Ah. 90, dommage, on aurait presque bouclé le champ en une fois si l'autre benne avait été utilisable. Normalement, ça aurait dû le faire avec la benne, mais bon. Bon. Bah, de toute façon, je le rectifierai, c'est pas grave. Ouais. Je pense que l'autre, elle prenait pas plus que celle-là, si, non. 56, ouais, bah celle-là fera 50, ouais. Bon, mais on n'aurait pas fini. Bah, on n'aurait pas fait quand même, ouais. On n'aurait pas fait. On n'aurait pas fini non plus, malheureusement. Allez, tranquille, 95, on va faire le petit retour, je pense, et ça devrait être pas mal. 96. Tic-tac-tic-tac, 97, tic-tac-tic-tac, attention, c'est la bombe, 98, ça veut pas venir, laisse monter Marcel. Allez, t'emmerde pas, bah, coupe-la, s'arrête là, 99, allez, c'est bien, allez. Giro pute, pas allez, je t'accompagne, allez, ouais, prends le fait, allez, vas-y, passe devant. Ah, tu prends pas le. Vas-y, prends le fen carrément. Attends, je prends le fen. Fais-toi plaisir. Ah, ouais, là, c'est allez. Bon. Laisse la benne, laisse la benne, laisse la benne, laisse la benne. Il roule les chevaux au vent, pas tout. Oui, je vais rattraper froid, tu m'as fait. Oh putain, non. Oh bordel. Tu me diras pas le caillou de merde là. C'est quoi, c'est l'arbre qui me fait chier? Non, c'est bon. Je suis décoincé, j'arrive. T'es coincé? Non, c'est bon, ça je y est. Je suis décoincé, ouais, j'ai dû me prendre un peu dans l'arbre, dans le caillou à la sortie. Allez. Là. C'est-à-dire que c'est tellement gros à manœuvrer cet engin, j'ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude à avoir un gros engin, toi? J'ai pas l'habitude. Putain, je vais lâcher l'accélérateur parce que tout à l'heure je te monte dessus. Je te renifle. Attends, fois la caisse. Je te renifle la culotte, ouais, Jules. Ouais, dans les bottes, dans les bosses, là, le machin, il lève les roues avant. Hop, allez. Oh putain. Je regardais derrière. Ah, non, j'ai freiné, j'ai tout pilé. Allez, regarde. C'est ça que ça se passe. J'ai tout pilé. J'ai pas réussi à freiner, c'est-à-dire qu'avec 50 au cul, alors 49 692. Allez, alors, tac, hop bonjour, ici. Laissez passer monsieur dame. Voilà, là tu le fous ici. Faut reculer là-bas dedans. Ouais. Ok, ah, ça va être sympa, il y a un passage là-bas pour... Ouais, il y a un trigger là, ouais. Putain, je vais rigoler là. J'ai déjà amené le carburant. Je vais rigoler parce que putain, avec le débattement derrière là. Essaye de voir si en te mettant juste le cul ici, là, si ça passe, tu sais. Ouais, on va essayer parce que franchement, je suis pas sûr d'y rentrer. Comme le trigger est là. Vendu, attends, ouais. Alors non, là il dit rien, on va essayer de reculer un petit peu, se placer léger, voilà. Tournez madame, laissez filer. Pas de balle, hein, falloir monter, mais oh. Ah putain, tu vas pas me dire que ce petit tuyau de merde. Oh le pilote. Oh le pilote. Est-ce que t'as le trigger pour décharger? Ah c'est bon, je suis bien là. Décharge. Par contre, il y a un souci, le carburant y est plus. Ah, le carburant a disparu. C'est trop loin ou il y en a trop là déjà? Attends. C'est peut-être trop loin. Voilà. Ah, je voulais reculer pour être RP, tu vois que ça vide dedans là, mais si tu recules trop loin, il veut pas. Voilà, on est bien là. On est bien. T'es sûr? Oh bah je pense, ouais. Que, bah, je suis pas sûr. Personne dit rien. Tiens, par contre, ça fait un. Je suis pas sûr. Un monte un tas sur le côté là. Enfin, ouais. Ça j'suis fait pas une petite, petite truc crado. Bon, il y en a dedans en tout cas. Ouais, mais. Le fail! Ah bah attends! Il y a le trigger, j'ai vidé moi, j'ai tout vidé! Regarde ça! Ouais, oh, ça a vidé là, ça fait un tas là, non? T'as vidé à côté! Non, je peux pas vider à côté! J'ai appuyé sur I! Oh putain, quoi! C'est le fail! C'est fail ou quoi? Ah oui, c'est un fail! Tu crois? Ah oui, ben oui, regarde! Y'a rien dedans! Y'a rien dedans! Oh, ouais, c'est une blague! Si, viens voir! Attends! Merde, c'est pas. Zéro, putain, ouais, mais y'a rien dedans, ça marche pas! Oh, ça marche pas! C'est le mapper! Ah putain! Là, putain, il y a même la photo du truc, c'est bien, hein, franchement. Ouais, bon, ouais, bah ouais. Écoute, il faudra faire un test autrement alors avec ou je sais pas. Ouais, putain. Il y a encore de la luzerne ailleurs, de toute façon. Enfin, de la luzerne. Ouais. Je me mélange. Eh, pourtant, j'étais à cul, j'avais le trigger, tu regarderas la vidéo. Ouais, vidéo à l'appui, ça a vidé à moitié dedans quand même. Mais là, la machine ne marche pas donc. Mais de toute façon, il y a zéro fuel, tu crois que. Ouais, j'en avais mis 22 500 litres. Parce que là, de l'autre côté, il y a bien des pelets, enfin, je sais pas ce que ça fait là. Mais des granulés de luzerne. Ouais, une texture un peu chelou, et là, de ce côté-là, non, ça fait pas la même chose. Bon, bah écoutez, les amis, au moins, on aura fait la présentation de ce magnifique Fendt. Hein, regardez ça, il a les LED.
Il a des LED. Waouh, la classe. Merci à Damien de nous avoir offert ce petit cadeau en exclusivité un petit peu avant tout le monde. Vous l'aurez, vous, bien évidemment, a priori. Cette semaine, il a dit. Il est à disposition très prochainement via donc, le forum. Je pense qu'il le mettra c'est sur ça, le forum. C'est ça, hein. Tout à fait. Ce ne sera pas sur les plateformes de téléchargement. Hein. Regarde. C'est moi ou d'habitude les tracteurs ils vibrent pas quand ils marchent comme ça. Ouais, c'est la nouvelle fonction qu'il a foutu. Regardez ça, on a le moteur qui fonctionne, le bras de relevage devant. Hop, laissez passer, impeccable. Ça s'emboîte tout bien comme il faut. Hein. Ah ouais, franchement. Ça s'emboîte tout bien comme il faut. Merci mon patou de m'avoir accompagné pour ce fail magistral. Merci à toi, Juju. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures sur Fort Fort Lointain, la map Le Bout du Monde V2. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de nos aventures. Ciao et bye bye. Salut mon patou. Ciao tout le monde.